plus aucun rapport. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Lara, est-ce que ça va ? Oh, j'ai eu peur. Oh. Anna ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara ? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à toi. Tout est de ma faute. Mais qui sont ces types ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara ! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans ! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles ! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Ne la touchez pas ! Pitié ! Non ! Parlez ! Non ! Non, c'est enfoiré ! Où se trouve la source divine ? Arrêtez ! Faites pas ça, je sais pas où elle se trouve ! Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. Quoi ? Toi ? Non ! Tu es avec eux ? Espèce de... Ah ! Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non, mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va-te-faire-maître ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père ? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien ! Non ! Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Thank you.
C'est pas terminé. Enfoiré ! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Ils vous ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Une sortie ? Non, mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Vous pouvez sortir ? Attendez ! Faites-moi sortir. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferai confiance ? Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie ? Ouais. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. L'invasion de la vallée a commencé il y a moins de 24 heures. J'attendais de la résistance et je n'ai pas été déçu. Les habitants de la vallée pensent pouvoir nous vaincre, mais plus ils résistent, plus ma résolution grandit. Ils ne seraient pas prêts à donner leur vie ainsi s'ils ne protégeaient pas quelque chose. Ils n'endureraient pas la torture avec une telle obstination. Ce sont des croyants. Je respecte ça. Mais ils ont choisi le mauvais camp dans cette bataille. Cela ne sera plus très long maintenant. Nous allons créer un monde nouveau et meilleur. Un étui à cigarette en argent.
On dirait qu'il a fait la guerre. C'est sûrement le cas. Depuis quand vous étiez enfermé ? Depuis assez longtemps, pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. J'ai enfin dévoilé mon jeu. Lara connaît la vérité. Je suis maintenant en proie à d'étranges sentiments. Une part de regret, certainement. Pour cette partie de moi qui est morte dans cette salle de torture. Mais autre chose aussi. Je sais que Constantin pense que je me suis attendrie. Que le temps passé avec les Croft m'a rendu faible. Mais il se trompe. Il ne s'agit pas de faiblesse. Je le ressens au contraire comme une nouvelle détermination. Je savais que Lord Croft était un homme intelligent. Et je sais que sa fille détient des secrets. Ce serait une alliée inestimable. Et une ennemie redoutable. Je dois m'assurer que Constantin ne se laisse pas aveugler par l'orgueil quand nous l'affronterons. Les Soviétiques envoyaient des prisonniers ici, pour travailler dans les mines. Et ça ne leur suffisait pas. Ils capturaient beaucoup d'entre nous. Ils prenaient des enfants à la main pour les asservir. Bon sang. Ça donne la chair de poule. Tous ceux qui ont survécu à cette période ont des choses à raconter. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Peut-être. Il creusait partout où il flairait l'odeur de la richesse. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont déterré ? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. Une fois là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Poste de commandement 2, dernier hélicoptère en partance. La dernière cargaison. Signal du problème au centre de transmission. Encore des natifs ? Négatif. On a chopé un intrus armé venant de l'extérieur. Une femme. C'était le bordel dans le périmètre. Allez, accompagner ? Peut-être. Après l'attaque chimique. Une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Thank you.
Putain, qu'est-ce qui fait froid ici? Si j'avais su, j'aurais amené de quoi mieux me protéger du froid. Anna a laissé tomber son masque. Nous sommes enfin réunis, elle et moi. Ces dernières années sans elle ont été difficiles. Quand j'étais faible, c'est toujours sa voix qui m'a redonné des forces. Quand elle doutait, je lui redonnais espoir. Ceci dit, je dois avouer que je suis inquiet à son sujet. Sa santé se détériore, certes, mais c'est sa détermination qui me préoccupe le plus. Je crains qu'elle ne se soit émoussée au contact des Croft. Elle a dû feindre ses sentiments pour Lord Croft avec une telle force qu'ils sont devenus réels. Et je crains maintenant qu'elle ne reproduise le schéma avec Lara. Jacob, j'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dirigez-vous vers la cour, je suis déjà là.
Ils sont en route vers les sites de fouilles les plus importants. Là, là et là. Et les installations sont là. Il faut que j'arrive à entrer. Quelques tireurs d'élite et quelques éclaireurs. Fais-le. On a beaucoup de terrain à couvrir. Et les Trinitaires veulent qu'on leur... Jacob, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien là. Merde. Fais gaffe, Lara. Mais je veux aller examiner ces ruines par moi-même. Et pour Croft? Pour l'instant. J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles, la mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin, ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi? Tu sais ce que j'ai donné aux Trinitaires? Ce que j'ai sacrifié? Ce que je traverse? Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine. Avec la source divine, tu seras sauvé. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour, et la vie éternelle leur sera donnée. Partez devant, je vous retrouverai! Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher! Il faut qu'on trouve où ils se cachent. Allez, pas de la elle est forcément. Tu calmes. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ils sont là, quelque part. Continue à chercher. Je me mets en route. Vite. C'est étrange de retourner sur le terrain. Après tout ce temps passé infiltré, à mener une vie de rêve dans le manoir des Croft. Ici, le confort n'existe pas. L'air est glacial. La nourriture insipide et froide. La compagnie en dehors de Constantin est effroyable. Mais j'ai demandé à venir ici. J'en avais besoin. La patience est un luxe que je ne peux plus me permettre. Constantin et moi avons commencé ce voyage ensemble. Je serai à ses côtés quand il accomplira son destin. En attendant, je respire à fond. Je laisse l'air gelé brûler mes poumons. Il me rappelle que je suis toujours en vie.
Il me pousse.